Phelps. I did a little boxing in the Marines. I found it a pretty humbling experience. Fix you a sandwich, buddy? Corned beef and egg salad, 12 cents. Bologna and ham and cheese, 10. It's strictly a mug's game. You'll like this fight, though. A plucky limey's about to take a beating from an up-and-coming Negro. You sound pretty sure about the result. I ought to be. I got 50 bucks on the black kid. Let's get a ringside seat. Petit match de boxe pour commencer cette affaire. C'est sympa ça, un petit peu de divertissement. Le peuple exige d'être diverti. Ton jab, serait ton jab. Oui, comment la chaise elle a volé. Voilà, il se bat en courant derrière. Ah, vu la réaction du public derrière, je comprends pourquoi. On va l'arrêter pour avoir gagné le combat. Tu m'as fait perdre 50 balles, connard, je t'arrête au nom de la loi. Ah ouais, ça y est, on rentre dans la game. Merde, elle m'avait même pas eu le temps d'allumer ma clope. On est reparti direct. Non. Qu'est-ce que tu fais? What's going on? That son of a bitch Hammond has jammed the door. And who are you? Carlo Arcaro. I'm his manager. I'm his trainer. Interesting attitude to have towards a victorious athlete. Victorious? We had an arrangement. We had a goddamn arrangement! That limey bastard was paid to take a nap. He reneged. And you were out of pocket? Damn right. Me and a couple hundred other people. Stand aside. He squeezed out the window. I'll put an APB out on him. Why would we do that? He won the fight fair and square. To prevent him from getting clipped. He was paid to flop. There was big money riding on this. So are we here because you lost money? Or because we're investigating a prize fighting racket? Very funny. Look around and see what you can find. Which is Hammond's locker? Over by the pinboard, second from the end. Portant du fond. D'accord, je vois pas trop où est-ce que c'est, mais je vais tous les faire. C'est pas grave, c'est pas un problème. What Albert doesn't understand is making it big. Ah, bah c'est ici du coup, voilà, on l'a trouvé. Alors, nous avons quelques notes ici. There's a phone number we can run by R&I. Plus a bunch of names and odds. You're not the only one who likes a flutter, Roy. D'accord, donc un numéro avec en plus les cotes de chacun. Ça, ça doit être du ruban adhésif, enfin du ruban adhésif. Ouais, sort de ruban qui se mettent au niveau des poignets, niveau des mains, également pour... Pour pas se niquer, taper plus fort, d'accord, c'est tout, y a rien de plus, d'accord. Ça, on a fouillé. Un gant de boxe, je sais pas si ça va nous apprendre quelque chose. Ouais, c'est ce que je me doutais, parce que bon, on est dans les vestiaires, donc des équipements comme ça, des gants de boxe, etc, tout ça, il devrait en avoir beaucoup, j'imagine. Puis-je pisser un coup? Non. Dommage. Même dans Bully, on pouvait pisser. R&I could trace that phone number, find out who that limey was talking to before he cut out of here. On va faire ça, je pense. Rien sous la douche, pas de savonnette par terre non plus. d'accord. Ah bah tiens, il y a un journal. Le Dr. Fontaine, John Cryer, de retour. Au secours des victimes de traumatisme. Voyons voir ça d'un peu plus près. You look troubled. I'm in a jam, doctor. Can I help, Courtney? Is it money? No, no, doctor. That's okay. Do I have your professional confidence? Whatever you say, we'll never leave this room. I talked some of the guys in my old unit into doing something, and it's gone wrong. I guess I did it for the wrong reasons, for short-term gain. We came home from China,
on the Cool Bridge? The morphine robbery. That was us. I thought I could get the guys a fair share. Some sort of benefit for the sacrifices that they made in the war. Those guys deserve it, Doctor. Oh, I'm sure they do, Courtney. But the deserving aren't always rewarded. Tell me about it, Doc. Like, we shifted our stuff onto this mob-connected guy, and it's been turning up all over town. It wasn't meant to be like this. The presumption was rather naive, Courtney. I know that now, Doctor. But people are dying. Might I venture a few questions? Sure. Do your underworld contacts have all the morphine? No, they don't. We doled it out, hoping we could control it. Are they pressing you for further allocation? That's the polite way of putting it, Doctor. I may be able to help you, Courtney. Thanks, Doc. It helps just to talk about it. I mean, I have a solution that will help you financially. And salve your conscience. I'm all ears, Doctor. I will transact to take all the narcotic off your hands. You can rest assured that it will all be medically administered. I will use the funds that I no longer require for the purchase of medication and invest them in housing developments. Housing? The developments in question are housing projects for former servicemen. Your return will come from the sale of the properties, and your investment will benefit those that you care for most. Does this arrangement meet with your approval? You're a magician, Doctor. Mais elle a l'air pas très net quand même, hein, le Dr. Fontaine. Pas très net, ce mec. En tout cas. Là, il y a un sort de deal qui se sont passés entre les deux, là. Ça sent... Ah, il n'y a plus de musique d'enquête. Je pense qu'on a tout checké. Je pense, hein, apparemment. Ah, attendez. Il y a un truc qu'on pouvait checker. Merde. Fais le tour. Putain, t'arrêtes-toi. Arrête-toi. Il y a juste un gant. Ah, ouais, non, c'était juste ça. Je croyais qu'il y avait un petit bout de papier à côté, mais non, en fait, pas du tout. Et on va utiliser le téléphone, du coup, pour appeler la centrale et récupérer l'adresse. C'est bizarre, il serait passé par la fenêtre, on peut pas inspecter la fenêtre ou un truc comme ça quand même. Bon, il n'y a plus de musique, donc je me dis qu'apparemment... Ah, on peut checker ici. Ah, voilà. C'était cette fenêtre. D'accord, il n'y a rien à voir de plus en fait. Bon, je me suis fait chier pour rien. Ok, donc là-dessus, rien. Ah, la caméra, elle tourne lentement là, avec la manette, c'est... Enfin, je pense que c'est le jeu qui est fait exprès comme ça. Le téléphone, il est dehors en fait. D'accord. You better find that cocksucker and you bring him to me. I feel bad too, Mickey. He guaranteed me he would take the flop. I guarantee that you will be fish food if you don't bring me. Ah, même notre supérieur, c'est un mafieux limite. Mickey, seems that way. Don't worry about it. My boys are out looking for him. Well, you'd better call them off. This is a police matter now. If anything happens to Hammond, I'll testify that you made threats against him. Who's the Greyhound? Ah, c'est pas notre supérieur. Ah oui, c'est Mickey. Non, ouais, non, c'est l'autre gars. Pardon, j'ai confondu. Mickey Cohen. On l'avait vu d'ailleurs dans l'un des journaux, dans l'un des épisodes passés. J'ai l'impression que l'histoire qu'on a en fil rouge est plus ou moins en train de se ramifier avec l'histoire, enfin les différentes affaires qu'on est en train de mener depuis le début du jeu. Ça, ça sent pas mal, ça. Est-ce que je peux rentrer, même si je fais pas partie du staff? Non, bon, dommage. J'essaie de voir jusqu'où on peut se balader, mais bon, ça reste plus ou moins cloisonné, néanmoins. On va utiliser ce téléphone. On va appeler la centrale, récupérer l'adresse. Et nous rendre tout de suite là-bas. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, detective? I need an address for the following phone number, AL345. The address for the phone number is the Hotel El Mar, 6294 Leland Way, Hollywood. Thanks, ma'am. Bien. You know the place? Juste voir un truc.
quarter a night, no questions asked. Donuts, 3 for 5 cents, or 15 cents for a dozen. Candy bars, 3 cents. Ouah, c'est mais vraiment pas cher, 3 cents pour une barre de chocolat, mais c'est à l'American Dream, je comprends maintenant. Ah putain, la bouffe tellement pas chère, quoi. Même au Japon, c'est pas si peu cher, quoi. Pourtant, la bouffe est déjà très peu chère là-bas, quoi. Alors, du coup, on va prendre notre caisse et se mettre en route. Je vais conduire juste sur ce trajet-là. Et après, tu prendras le volant, Roy. Histoire de, au moins, je conduise une fois dans l'épisode, parce que... Franchement, je vais essayer d'avoir les 5 étoiles et donc du coup, de peur que je me viande encore comme j'ai pu le faire dans les épisodes passés, que je perds le 5 étoiles juste parce que bah, j'arrête pas de me viander partout, bah, je prendrai plus le volant par la suite, ce sera que Roy qui prendra le volant. Et là, on va faire le trajet en faisant bien gaffe de rien péter. But he does carry some very sharp suits. If it's okay with you, I'll stick with Brooks Brothers. C'est où? Bah c'est ici, non? Pourquoi ça s'est pas enclenché? Oui. Bah, c'est ici, non? Pourquoi ça... Normalement, il y a une cinématique qui est censée partir, en fait. Je sais pas. Ah oui, faut vraiment être genre dans une zone précise quoi, c'était pas cette rue ou celle de derrière, c'était celle de vraiment devant quoi. Ah, d'accord. Sympa la petite musique quand même que nous avons là. Oh yeah. C'est toi qui hurle comme ça? Eh, hey. C'est la LAPD. On gueule pas dans les rues la nuit, ok? Me cassez pas les rues, je suis sur les nerfs. J'ai déjà un collègue qui me fait chier pour courir un mec parce qu'il a perdu 50 balles de... en pariant comme un con dessus. Alors certes, le match était truqué, mais bon, il y en a beaucoup des matchs truqués, hein. Et on n'enquête pas sur tous les matchs. Inquiries into the whereabouts of an Albert Hammond. No one here by that name. You sure? Sure, I'm sure. This isn't the sort of place where people use their real names. Take a look at the register if you don't believe me. Le Elma Hotel. Okay, so look for prominent Tommies. That should narrow it down. Un anglish célèbre. Mm-hmm. Jimmy Carney, Veronica Lake, Caulfield, Johan Caulfield. Caulfield, ça fait British peut-être, non, je sais pas. Les 1, 6 heures du matin, bah je sais pas si les horaires pourraient... L'heure d'entrée, l'heure de sortie, je suis pas sûr que ça nous aide, les horaires. Le gars, on sait pas à quel moment il est arrivé. Blenford, non, ça fait américain plutôt ça. Ouais, ce qui me semble. Shirley. Tyrone Power. Power comme Austin. Austin Power, non, pas du tout. Ok. Kay. Non, aim, non, ça fait américain, je penserais. Wehrmuff, là, le truc ici, là, ça fait Amerloc. Rita Wehrmuff, enfin, quoi que. Rita Wehrmuff, ah oui, pardon. Okay. Non, non. Puis c'est une meuf. Enfin, quoi que, est-ce que le mec. Non, il a dû mettre un nom de mec, sinon il aurait gros daf direct. Ah bon, vous vous appelez vraiment Megan, vous êtes sûr? Apo Marx, non, c'est. Si, Marx, c'est anglais. Karl, non, c'est pas ça. Bene, tiens, non, ça fait pas du tout anglais. Clark, comme Jim Clark. Non. Winston Churchill, ça fait bien anglais, ça. Winston Churchill. Ah. A very patriotic Englishman is staying in room 207. The old bulldog. Even at a flop house, Adley can't get out from his shadow. Bien, ok. Et pas de phase d'interrogatoire du coup avec lui, j'imagine. Check the place if you want. Okay. All I do is keep my head down and replace the towels. Ok, ok, bah... Pas d'interrogatoire, tout du moins tout de suite avec lui. C'est la 207, c'est ça qu'il avait dit, je crois. C'est ça, la musique est partie, c'est ici. Alors, qu'avons-nous là? Un protège-dents. Un protège-dents, d'accord. Et il y allait comme ça, sans gants, hein. C'est... Il n'y avait pas encore le coronavirus à cette époque-là. J'ai encore fait le lapsus coronavirus, quoi. Oh putain. Vache, j'allais prendre rendez-vous chez l'orthophoniste, moi. Une boîte de chocolat. Oh. Does Albert have somebody special? Didn't see anyone in his corner at the fight.
C'est mignon. Ouais, peut-être qu'il vivait avec une... Enfin, qu'il était avec une gonzesse, tout du moins, ouais. Vu qu'apparemment... Enfin, je sais pas, des chocolats en forme de... Enfin, dans une boîte en forme de cœur. Gauche, rangée, siège, ok, une place. I guess a fighter has plenty of time on his hands between bouts. D'accord. Il y a certainement fait un tour là-bas, je le sens. Ensuite. Ah. Instaheat. Ah. Adrian Black's product of choice. Justement, je m'en souvenais, j'allais vous dire, ah, Instaheat, ça nous rappelle des souvenirs des épisodes passés, ça. Quand on était dans la brigade de la circulation, encore, me semble-t-il, au début de ce Let's Play. Si vous l'avez pas vu, je vous y renvoie une affaire dans laquelle était impliquée, enfin, de manière indirecte, cette marque. Candy. Albert has his work cut out for him. Who's Candy? Candy Edwards, the lady who filled out this coupon. All right, let's go after his girl. See if that gets us any closer. It's still warm. Donc ils étaient là il y a peu de temps encore en plus. Ils ont mangé en vite fait. On entend même le bourdonnement des mouches. On a de la physique en plus, c'est sympa. J'ai pu faire renverser la lampe et en plus. Bouger les rideaux, ça c'est sympa ça. Ah, encore des notes, c'est des cotes. Un rapport de bookmaker. Ah, il aurait parié. Du coup, lui aussi, peut-être pour se faire plus de mailles, peut-être. Du coup, vu que Candy avait apparemment des goûts de luxe, comme disait notre cher Cole. Un standard, des indices. Ah. Effectivement, oh, une clope avec des traces de rouge à lèvres dessus. Ça me fait penser à une pub Marlboro de l'époque, à l'ancienne. Pareil, ça devait être dans cette période-là, si c'était années 50 ou 60, les pubs pour le tabatier Marlboro, en fait. Bah, y avait un truc comme ça par rapport, c'était quoi les clopes Marlboro, les clopes fait pour les femmes, que les femmes puissent fumer sans que ça laisse des traces de rouge à lèvres visibles sur le mégot ou un truc comme ça, je ne sais pas. Ils ont fait un truc style bien glamour façon à l'ancienne à l'époque. Hein, c'est marrant, hein, comment même la publicité était faite à l'ancienne. C'est intéressant, si vous tombez sur cette vidéo, je pense qu'elle doit être trouvable sur YouTube. J'ai vu il y a longtemps, je sais plus où. Car vous pouvez imaginer, je ne l'ai pas vu de mon vivant quand c'était à la télé, forcément. Hein, c'est... Enfin, de mon vivant, ouais. Je suis pas décédé, mais je veux dire... Ah, putain, je dis de la merde. Ça arrive bientôt, Albert. Ok. He must be heading home. Je fonce, Alphonse. You know, I hope he makes it. En gros, que j'étais pas encore né quand ça passait. No simplement. Chance. La pub. Hop. Ça, c'est toujours utile. Je pense que ça va nous être intéressant comme indice, ça. Et on a tout fouillé, je crois bien. La musique continue, mais... Je crois qu'on l'a tout fait, hein. Je vais demander à mon collègue. I'm at a loss. Alright, let's go after his girl. See if that gets us any closer. Ok, bien. Eh bien, c'est parti alors. Ah, il y a un mec. Est-ce que je peux lui parler? Et on dirait le même mec que j'avais vu lors de la toute première enquête qu'on avait fait avec Royle, justement, là, dans la toute première affaire de la brigade des mœurs. C'est le même mec qui était là sur le lieu où on avait retrouvé les deux camés dans l'appart, qui se sont fait une overdose de morphine. Il y a le même mec, je me souviens, enfin en bas, qui était en bas à fumer sa clope également avec un pote à lui. Il est partout ce mec. Normalement, s'il serait pas impliqué dans l'affaire, j'ai envie de dire, après ce qu'on a connu en plus avec... Bah Roy, tu vas conduire, je pense, hein. Bon, allez, non, vas-y, je prends le volant, ça s'est bien passé, allez, on y croit. On y croit, cette fois-ci, on arrivera à bien conduire. Ah bah, apparemment, on va revenir à l'hôtel plus tard, vu que ça a pas été rayé. Pardon. C'est juste pour faire demi-tour. J'allais dire, vu que si ça se trouve, ce Renoir, c'est lui le vrai coupable dans l'affaire de tous ces meurtres également, comme on a pu le voir avec l'autre gars, justement dans l'affaire du Dahlia Noir, sur toute cette série d'affaires du Dahlia Noir. Standard training. I can't imagine you ever played dirty. The only prize for taking a fall was 1,000 push-ups.
Je conduis de manière dangereuse. Ça va, heureusement, c'était non loin. Le motel à lèvres. LAPD, ma'am. We're looking for Candy Edwards. Apartment 7. You take the outside stairs by the parking lot and turn left at the top. You friends of the Italian guy? Italian guy? Yeah. Sleazy type. Gave his name as Carlo. I didn't like the look of him, but Candy has some funny friends. Thanks. This Candy broad must be as sweet as she sounds. All these gentlemen callers. Ah putain, mais quel briquet de merde! Bien, allons-y. Gueule pas, j'arrive, tranquille. Hop, attends, je regardais même plus mon écran pendant l'instant. Ok, alors. C'était en haut qu'il fallait aller, mais je checkais s'il y avait pas un truc ici. Non, il y a rien. Allez, on y va. Bah merde. Ah, il faut sortir. D'accord. C'est par où? C'est par où que tu vas? Ah bah, mon collègue il est là-bas, je vais le suivre tout simplement. Il doit être déjà... Ouais, bah, il m'attend ce con. Let's go, let's go. Oh. Bah, on va arriver pile au bon moment, j'ai l'impression. Like hitting women, do you? We had a goddamn arrangement! Well oh, oh putain, le coup de boule que j'ai mis! Bon, du coup, on est arrivé peut-être un poil trop tard vu que. Bon, la meuf s'est fait éclater. Malheureusement, je me demande si on aurait pu. L'interviewer. Enfin, lui faire passer un interrogatoire, du coup. Single ticket, one way. I guess there isn't a lot for Albert in Ohio. Mm-hmm. Intéressant. Qu'est-ce donc ceci? Scania sails from New York. Mm-hmm. Ok. Bon, là-dessus, on a tout vu. Alors, nous avons ici une boîte de lunettes, apparemment. Un étudiant. Ah non, c'est pas pour des lunettes. Bon, de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'affaire. Ok. C'est du vernis, j'imagine. Ouais. Si, si, c'est du vernis, ne me dis pas non. Et ça, c'est quoi, ça? Du rouge à lèvres? Ah non, du vernis encore, en fait. Peut-être. Bon, ok. Des trucs bien inutiles pour nous. Ensuite, il y a lui qu'on peut fouiller. Avant de fouiller lui, je vais juste regarder ce qu'il y a tout autour dans le décor. Et ouais, elle préparait ses affaires, elle se préparait à se barrer en fait. Intéressant. Je vais fouiller qui? Je peux fouiller elle? Bah, il y a déjà en train de la... Qu'est-ce que tu fais, Roy, là? Ah, je croyais que t'étais en train de la ploter, autant pour moi. J'ai cru que monsieur, ça donnait un moment de plaisir. Mais tu n'as pas besoin de ça, Roy, voyons. T'arrives déjà à te choper toutes celles que tu veux, mon salaud. Ah, voilà. Il n'y avait plus que lui, du coup, à fouiller. On va regarder. Ok, rien au niveau des mains. Bon, ça ne me surprend pas, là-dessus. Regardons sur l'autre. Ok, rien. On va regarder sa teuté, du coup. Sa sale trogne. Te touche le visage pendant que t'es dans le coma. Hein. Y a pas de soucis. Hein. Ouais, t'as une sale gueule, je confirme. Voilà. Ça sera également contre toi lors de ton procès. T'as une sale gueule. Ensuite, qu'avons-nous là? Oh. Nasty weapon. All the Italians carry them. A real man uses his fists or a gun. Oh,
fou, c'est pas Jojo ça. Et qu'a-t-il dans cette poche là? Non, des noms avec des coches. What are the odds on the mall being bookmakers? Robert, Harry, Mervin, Wallace, ok, Ray. George. Intéressant ça. Je vois pas encore trop qui sont chacun des noms, mais peut-être qu'on le saura par la suite. Ah, finalement, elle se réveille. We have some questions for you to answer. Première séquence d'interrogatoire qui va commencer. I find that pretty hard to believe. Can you answer some questions now, Miss Edwards? Sure, I've had worse. I'll shake it off. We're trying to track down Albert Hammond. We have reason to believe he might be in danger. Do you know where he is? No, I don't. I'm over Albert. I haven't seen him. Je pense que tu mens là. You're lying, Candy. You were in his hotel room. He came back after the fight and you weren't there. What happened? You can't prove that I was in the room. Ah ouais? Bah ça, ça va être facile à prouver. Le bulletin d'offres de magazine rempli avec le nom de Candice Edward. How do you think we found you, Candy? Qu'on a trouvé dans sa chambre d'hôtel. Look, Albert was supposed to take a fall. We were all supposed to make a little money out of it. But Albert got too goddamn stubborn. Said his pride was all he had left. So I told him, shove it. Let's see his pride keep him warm at night. So you walked out before the fight? Yes, I did. What's the problem? I didn't take anything. Okay. The name's Harry, Mervin, or Ray. Mean anything to you? Could be anybody. How the hell would I know? Ça, c'est sûr que c'est soit doute, soit mensonge. Mais je dirais certainement doute. Contenant des noms, de code. Sur des cotes de bookmaker. Voilà, c'est. Albert. Ouais, doute. Ah, merde. Give up these men, Miss Edwards, and we'll think about it. C'était peut-être mensonge en fait. Merde. What? Charges against me? All I did was try and look out for Albert. Now he skips out and I have to take beatings from him as well? Merde, mal géré là-dessus. Ah, chier. Projet de quitter la ville. Miss Edwards? Yes, we're going straight home. Ah, j'ai envie de dire doute là. Si je dis mensonge, il va dire quoi? You're lying to me. Albert finally won a big fight. I say good luck to him. But you know where he is. Let me help him, Candy. Do all you cops run off the mouth? Prove I know where he is. C'est doute, alors je dirais finalement. Akron dans le. Il y avait ça, c'est vrai. Elle me met le doute. Elle me met le doute. Elle me regarde fixement maintenant. Point d'intuition, allez. Bon. Albert is going home by boat. Je voulais être sûr quand même. Mais. Albert is going to collect nothing. Je comprends pas comment je me suis merdé sur la deuxième question par contre. How will you fare any better? They already believe you're in on it. Hell, I know you're in on it. You can think what you want, Buster. I'll take my chances. I got a few errands to run and then I say adios to this dump. You want to press charges against our Carol? Just get him out of here. That's all I want.
Get out, Carlo, you hump. And get rid of that pig sticker. You ever pull that thing on me, I'll shoot you like a dog. That bitch knows where Hammond is. She knows where my money's gone. My money too, tough guy. I'll handle this. Tout le monde veut la peau de ce mec maintenant. Hein. Juste parce qu'il n'a pas voulu se battre. Hein. Juste pour une fois qu'en fait, là, on enquête sur un combat qui, pour le coup, a été fait, justement. Donc, il n'a pas été truqué. C'est les gars qui ont truqué le combat, maintenant qu'ils veulent buter le gars qui a été honnête. Là, on est... fait pas de la bonne police, là. Ah, non, non. Ah, là, c'est moche. On est de l'autre côté, j'ai envie de dire, là. C'est... on est des ripoux, pour ainsi dire. Et c'est pas notre nature, hein. C'est juste qu'on s'est fait embarquer par les autres. I'll bring up the car behind you. Bien, faut que j'arrive à la suivre en filature sur cette séquence. Parfait, passer en mode incognito pour rester caché en public. Attends, quand même, je suis toujours habillé que... Non mais là, il doit me griller, obligé, c'est tellement rodave en vrai. C'est con quand même, hein. Les jeux quand les vieux filment comme ça. Oh putain. Vas-y, sors. Pour centrer, si se fait. D'accord. Ah, maintenez. Ok. Bon, on la scie. Faut que j'arrive à trouver un briquet qui marche maintenant. Super. J'en ai un qui m'a lâché. Ça va. Pas besoin de se flanquer. Toujours pas rodave. Non, putain, elle m'a eu, là. Elle a fait je sais pas combien de mètres avant de se retourner. Ah, bon, bah, je resterai... Bah, je vais juste speeder un peu et me planquer derrière la bagnole. Hein. Juste faire attention à ça. Merde, mais toi, incognito. Enfoiré. Putain. Bon, moi je ne fais rien, je lis le Figaro. Le Figaro. Ah, ça c'est un bon journal. Ah, allez, c'est bon. On arrête de faire ça. On y va maintenant. En mode filature. Plutôt ici. Bien, on y go. On est bien, on est bien. On va laisser avancer un petit peu. Je pense que je peux passer en mode incognito ici. On va cirer les pompes tranquillo. Ok, je suis un peu trop loin. Si on passe sur Rodave. Quoi? Non! À quel moment juste? Oh la vache! Bon, ça va, il y a eu un checkpoint. Cool. Ça va, ça va. Comment on va faire?
activer. Puis sur A pour passer en mode incognito. Oh, t'inquiète. Planqué derrière une belle caisse quand même. J'ai avancé un peu. Ok, on est pas mal, hein. Franchement là, on gère bien. Putain, j'ai cru qu'elle s'était retournée. Bonjour. Non, non, je me planque pas du tout derrière votre voiture. Non, 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 du tout, du tout. Ce n'est pas ce que vous croyez. Klaxonne pas, putain, tu vas attirer l'attention. Fumier. Bon, ça va, le jeu n'est pas réaliste à ce point-là non plus. Apparemment. Bon, c'est pas ouf comme planque, mais... taf. T'inquiète, t'inquiète, c'est rien. Ouais. C'était arrêté, je sais pas trop pourquoi. Ah putain, elle fait un trajet de ouf, hein. Elle aurait dû autant se prendre une caisse, hein. J'aurais préféré faire une filature en bagnole à ce moment. Enfin, en vrai, non, ça va, c'est sympa de suivre à pied comme ça, mais... quand même, quoi, c'est pas ce qu'il y a de... le mieux, là, on peut merder à tellement d'endroits en plus. Ben, I risk losing the trail. T'inquiète, t'inquiète. Je crois qu'on s'approche. Je crois qu'on s'approche du but. Petite ruelle, étroite. Je pense qu'on est plus très loin, là. Un mur coupe-feu, un mur approuvé, un mur anti-feu de la caserne, apparemment. C'est un mur anti-feu. Fireproof. Warehouse, putain. Comment ils font ça? Un mur qui ne craint pas le feu. On y est. Bookmakers? Surprise, surprise. C'est parti. Hop, là, c'est ici. A blonde woman just came in here. She went out the back way. Said she was being watched. How much did she collect? $3,600. She cleaned me out. On the Hammond Kid Galahad fight? You got it. I'm not complaining. We all made a lot of money on that one. Huge plunge on Galahad, and then Hammond knocks the bum out. So she collected the money and went out through the back door. Nope. She made a phone call over there, wrote something on a notepad, and then left. D'accord. Donc du coup, je vois ce qu'il faut faire. Je gratte le bout de papier là pour récupérer l'adresse, comment, ce qu'elle a noté pour récupérer l'information, comme on l'avait fait déjà dans une affaire passée avec Rusty comme coéquipier. Dans la brigade criminelle. J'ai déjà utilisé mon cher Roy, vois-tu, avec Rusty Galloway. Te souviens-tu de ce fameux Rusty? Ah, un sacré bougre ce type. Ah. Mais tellement marrant en vrai. Il est cool. Oh, j'aime bien. C'était un bon souvenir, Rusty. Non, pas. Non, pas par là. Par là. Merde. J'ai fait l'éclair d'ACDC. Voilà, c'est bon. We know where she's headed. Let's get moving. Au drugstore.
Ok. Bien. Du coup, on va se rendre là-bas, on va la poursuivre. La pourchasser. Et la manger. L'arrêter. Pardon, je lâche un roux au calme. C'était totalement délibéré, bien sûr. Allez, hop. Je vais retourner à l'hôtel Elmar, mais je sais pas pourquoi. Ah, chéri Bookmaker, on a trouvé un nouveau lieu. Ah ouais, chéri Bookmaker. Ah, hôtel Elmar, pourquoi y retourner? Là, ça nous servirait à rien, je pense. Hein. Enfin, quoique. Je pense pas, hein, hôtel Elmar. C'est revenu récupérer un truc? Non. Je vois pas. On va aller plutôt chez. Ah, si c'est à côté, on va le faire, on va voir. Allez. Hammond backed himself to win. And Candy is picking up the winnings. Smart play. Question is Candy collecting on Albert's behalf, or is she cheating him too? J'ai regardé sur la map si c'est loin en vrai. Non, pas excessivement. Ok. Bon bah on va y aller. On va le faire, on va regarder s'il y a un truc qui se passe là-bas, vu qu'ils l'ont pas rayé, juste comme ça pour voir. Au final. Et si il est toujours là, bon bah du coup bah, on va repartir et je laisserai le volant à Roy pour le prochain trajet. Non, voilà, ça va. Un petit peu rayer le mur, un petit peu rayer la portière. Mais ça va, ça passe. Et il se passe rien. Ok, donc ça nous indique comme quoi il se passe vraiment rien ici. Bon. Hop, lieu. On va aller examiner le drugster. Le drugster. Let's go. Bah, ça nous a peut-être rapproché, tiens, finalement, en allant par là. Je remarque, on a une petite musique d'ambiance qui part en même temps. Bah, ça nous a rapproché, donc ça va, je vais garder le volant. Ah, il y avait apparemment un DI que je pouvais. Un DI sur lequel je pouvais intervenir, mais bon, j'avais pas vu. On y est. Drugster. Examine-nous. 17h16. Le bureau d'un bookmaker. Vous avez vu ça? Ah, j'adore les bugs comme ça dans le jeu, c'est tellement beau. Detectives Phelps and Earl. LAPD. Je sais pas ce qu'il a foutu, pourquoi Roy est reparti dans sa bagnole. You just have a blonde in here, Mervyn? Sure did. On se te voit. About to close up. She took me to the cleaners. 4,000 clams and change. Ça, vous entendez? Maybe 5 minutes. Ça, c'est le son du cancer. Asked for a number. I told her there was a card over there by the phone. Ça s'appelle un cancer. Ça, si le cancer était un son, ce serait ça. Ah, c'est le cancer. Ah non, c'est fort, j'aime bien ce genre de voix. En vrai, honnêtement, même si j'essayais, j'y arriverais pas. Et pourtant, je fume beaucoup, moi aussi, hein, mais pour autant... J'arrive pas à en faire autant avec ma voix, même si j'essayais. Là, alors, le Yellow Cab. Yellow Cab, we need to get after her, fast. Et y a rien d'autre? D'accord, mais est-ce que je peux emprunter ton téléphone, non? Il y a un téléphone par là, mais je le vois pas. Ah, il est là, en fait. Okay. J'essaie de repenser à l'autre truc tout à l'heure, là, le gars que j'avais vu.
J'ai pris l'adresse, il a dit qu'elle était partie par l'arrière. J'aurais peut-être dû fouiller à l'arrière de son établissement, en fait, je l'ai pas fait tout à l'heure. Mince. This is Detective Phelps, LAPD. You dispatched a cab to 1487 Ivar Avenue, Hollywood. Yes, sir. Send one round for a pool. Do you have the number of that cab? Number 179. Thanks. We're done playing around. Get Mervin to give us an address on Ray's place. Do you have any idea who Ray is? Sugar Ray. Not now, Mervin. Cole doesn't have much of a sense of humor at the best of times. Ray runs a shop up on North Cherokee Avenue, just south of Hollywood Boulevard. Bien, allons-y. That's the guy from the paper who solved that big case. Je suis pris le feu rouge dans la gueule quand même. Même à pied, je suis mauvais. Je suis autant mauvais à pied qu'en bagnole. Lieu. Du coup, on va se rendre chez Ray Bookmaker. J'imagine de ce fait. Hop. Bah finalement, c'est moi qui aurais fait tous les trajets en bagnole. This broad's planning on cleaning out every bookmaker in town. Hammond needed to make sure he was getting a bigger payday than if he'd taken the flop. Never trust the limeys, especially where a fight's concerned. A mistake we can't seem to stop making. Any sentry in at 484 just occurred. Allez, dis-moi que c'est pas loin, s'il te plaît. Là, je pourrais le faire. Ouais. Finalement, à partir de maintenant, je vais laisser à chaque fois le volant arrêt parce que ça sert à rien finalement. Je m'en rends compte parce que si je roule en bagnole aussi, c'est pour montrer un peu l'environnement, mais c'est aussi pour tenter de faire certains des délits qu'on pourrait avoir à faire comme ça, un peu partout sur la map. Mais vu que ça nous renvoie à chaque fois vers le même. Je me dis finalement que c'est que ça doit être le dernier qui doit rester, hein, j'imagine, en termes de délits avec cette brigade. Parce que je crois qu'on a quoi 10 délits pour chaque brigade dans laquelle qu'on est. Donc sur les précédentes brigades déjà, on les a pas toutes faites. Mais dans celle-là, je pense qu'on les a limite toutes faites à ce moment si on nous propose que celle-là maintenant. Certainement, c'est. Et là maintenant, pareil que tout à l'heure, filature, on suit toujours la meuf, mais cette fois-ci en bagnole. We're on the move again, Cole. After her. Don't lose that cab. T'inquiète. Faudrait surtout pas que j'utilise la sirène. Stops is she gonna make? Hammond is full of himself. Being this sure is gonna win. Merde, je suis limite à l'arrêt sur la route là. Et il faut pas que je me rapproche trop sinon on se fera gauler. Je suis à l'arrêt, littéralement. Sur deux voies en plus. Le mec il a laissé son mauvais clignotant allumé. Parce que genre il disait qu'en quoi il tournait à droite, mais à droite c'est un mur. You got a pretty funny idea of what keeping a low profile means, Phelps. Ça va, on s'est pas fait griller, t'inquiète. Là, j'ai mis un petit peu de gaz, un petit coup de gaz. Thank you.
feu rouge, super. Ah, ma poste, c'est qu'elle est arrivée en fait. She's heading inside. Et la voiture qui dépop, superbe. Mais le camion qui reste. C'est un pick-up. C'est plus puissant. Il n'y a que ça qui est autorisé sur cette rue. C'est normal. Même mon taxi va disparaître là tout à l'heure. I think I just saw Hammond. I'll tail la preuve. Get in there and stay with Candy. Make sure you don't let her. Il est déjà plus là. Ah non, il est plus loin. J'ai rien dit. On va se mettre incognito. Keep talking. Someday you'll say something intelligent. I swear, this town is going straight to hell. Isn't he the cop they've been talking about on the radio? Want another commendation? Il s'est passé un truc. On a entendu, il s'est passé un truc. Call an ambulance. Hammond got away. Just try and sit still, Candy. Who shot you? Was it Albert? Car. They're on the way. I have a patrolman searching the depot. The chief's putting together a manhunt for Hammond. He got the money, right? Looks like it. A tough bird, our limey friend. Using his girlfriend as the bag woman and then getting greedy over the split? He won't make it out of town. That's how you see it? I told you that cocksucker was a crook. Est-ce que c'était son arme ou à lui ça? Putain la vache. La tournure qu'a pris cette situation. .32 caliber, one shot fired. C'est certainement l'arme du crime alors, certainement. À moins que ça soit le sien, je ne sais pas. Peut-être qu'il a utilisé justement son arme. Ah, l'autre moitié du ticket. The Egyptian Theater. Avons-nous d'autres infos? So what now? The theater, I guess. We don't have much else to go on. Morte violente quand même, hein. Sur le trône. Pas très glamour. et puis, putain, ça a bien sali quand même. Voilà, tout le sang que ça aura laissé. Et ici, je pense que tout le monde a fui. Ouais, c'est normal, c'est normal. Collègue, ça tombe bien que vous soyez là. Il va falloir sécuriser la zone. Nous, on va passer par la fenêtre directement. On va pas s'emmerder. Un mot au gérant. Non, vous avez évacué le gérant déjà. Parfait. Roy, tu passes par là. Moi, je passe par la fenêtre. Pour ma part, j'ai vu que la fenêtre était laissée ouverte. Un petit peu d'exercice. Enfin, exercice, hein, c'est vite dit. Hein. C'était pas bien grand chose. Allez, là, il y a peut-être moyen de choper notre mec. Avant d'aller là, on va peut-être aller à l'hôtel Elmar. Je sais pas pourquoi ça nous propose d'y aller encore, mais. Mais tu sais quoi? Non, même pas. C'est Roy, c'est toi qui vas y aller. You're behind the wheel. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, Cole? Je veux que tu montes de l'autre côté aussi, putain. Non, Roy, toi tu conduis. You drive. Yeah. You need to go over the case notes. Comme ça, on va aller voir si ça sert encore à quelque chose d'aller à l'hôtel Elmar. Mais j'en doute fortement. Parce que je sais pas pourquoi c'est toujours pareil. Donc j'ai envie de voir, je suis bien curieux. Ouais, effectivement, ça sert à rien. Voilà, on gagne du temps. Bah écoute, au seul autre lieu dans lequel on peut se rendre du coup maintenant, au théâtre égyptien, le cinéma. Poor girl. She didn't deserve that. Poor girl. Half the precinct aren't taking a vacation this year because of her.
You need to leave town a lot quicker than that if you decide to screw over Mickey C. This seems like a long shot. Aren't they all? Car 11 King, Commander. Car 11 King. Message from the coroner. The cause of death was a knife wound. Repeat, a knife wound. The revolver appears to have belonged to the victim. Son of a bitch. He stabbed her. I thought you said real men use their fists, not guns. That guinea cocksucker. You think he got the money too? Come on, Roy. We're bringing this whole tragedy to its conclusion. À tous les coups, mon gars. Allez, on y va. D'ailleurs, il y a peut-être un truc à inspecter ici, non? Je sais pas. On dirait que le gars s'est arrêté en trombe, hein. Mais ouais. Hein. Bon, allez, on y va, on va aller voir ça de plus près, ce qui se passe dans le cinéma. Pas l'air net, tout ça. And I intend to keep on living. Okay, rien. On va passer par là, finalement. She stole those things. Ah. She was running out on me. And you were gonna let her? No, I let her collect. I set her up, just like she set me up. Just like my manager set me up. Everyone wanted me to take a dive. Everyone wanted me to take a short money. It's for the best, kid. You were washed up, kid! You couldn't climb, and you were too brave to sink. You were going nowhere! Maybe, but I had heart. I was a Royal Marine, Carlo. If I lost the fight, it wasn't for lack of trying. And it wasn't for lack of courage. I didn't have much. But I had that. I did it for you, and that's how you repay me! You did it for yourself. So did little boy. You did it to make a quick buck. And Candy did it to make your dream come true. Blah, blah, blah. I've got the money. All I need to do is get rid of you. It's gonna be a shame, kid, but that's business. Ça sent le gunfight. Une fusillade dans une salle de ciné. Oula, oula, ça sera censuré par YouTube, ça. Oh, ça le sent. We've heard enough, Arcaro. Put down your weapon. Ouais, t'as raison, je viens lui dessus, comme ça on est directement gaulé. Oh, il est pas tout seul en plus, le salaud. Putain. Ah. Je fais ce que je peux, d'accord. J'ai pas eu. Shit, il est en train de monter les escaliers, je crois. Je vais monter à l'étage, je pense que ce sera mieux. C'est par où qu'on monte? C'est par là, non? Merde! Si, c'est par là. Je me méfie. Est-ce qu'il pourrait sortir? Surrender now or I will use deadly force. Je vais le faire lui d'abord. C'est pas mort mais incroyable. Toi aussi ton crâne est fait en téton. Il est toujours pas mort. Mais c'est exceptionnel. Combien de headshots je lui ai mis? Pas sûr de l'avoir même touché, mais bon, il est mort. C'est ce qui compte. Tu vas crever, je te dis. Ah,
Il a une putain de tête. Il a une putain de tête, hein, quand même. C'est bon, on a réussi. Ah, c'est parce que, ouais, c'était Carlos, quoi. C'était Carlos. C'est pour ça qu'il y avait une putain de teuté résistant. On dirait les ennemis, les nazis qui faisaient partie de la... On va dire la brigade de la terreur dans The Saboteur. Putain, il était dur à tuer pareil. Et lui, il portait même pas de casque, en plus. Ah, voilà notre boxeur. Catch. Escania sails from New York, Hammond. Be on the next train and don't ever come back. Why? Because I was a Marine and I once lacked courage. Everyone deserves a second chance. Now beat it. Fuck you! That English prick is getting away with my money, Phelps! Oh, mais je trouve que Cole a pris la bonne décision là. Il a pas enfermé le mec. Il lui a laissé partir. C'était même intéressant, ça aurait pu être sympa qu'il nous laisse le choix d'ailleurs par nous-mêmes de si on veut le laisser partir ou le garder. Bon, maintenant dans les jeux ça se fait de plus en plus, ce genre de décision. Des jeux à choix alternatifs. Mais j'aime bien comment ça se termine quand même au final. Enfin, si on peut dire, il y a la meuf qui est morte tout de même, c'est vrai. Ok. Homicide's problem now. Good work, gentlemen. Ah, du coup, c'est Rusty qui va passer après nous maintenant. Bah, du coup, c'est un peck ça. Ouais, on va réussir certainement à faire le. Quoi ? Oh non, mais c'est tellement dur quoi. Je commets une erreur et ça suffit. Bah ouais, ça doit peut-être se calculer au ratio, mais bon, je savais pas quoi. Ah ouais, non mais j'aurais su, j'aurais utilisé tous mes points d'intuition, hein, que si j'aurais su qu'avec trois questions dans cette affaire, putain, j'ai fait qu'une seule erreur, aucun dégât, une seule erreur sur une question, ça a suffi pour me retirer une étoile. Oh, c'est terrible. Alors là, ah, c'est horrible. Albert Hammond met le cap sur l'Angleterre après avoir mystérieusement disparu de sa garde à vue. Ok, voilà, c'est... Il s'est planqué, voilà, il s'est planqué et il va se commencer une nouvelle vie avec le pognon. Il se met bien. Affaire classée au rang remarquable, 4 étoiles. C'est cool, ça reste cool. Bon, c'est dommage qu'on ait pas eu 5 tout de même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne du coup très bientôt rendez-vous pour la suite de ce Let's Play. En attendant, portez-vous bien et je vous dis salut tout le monde. Cinématique ou pas? Ah, prochaine affaire, contenu téléchargeable. Voulez-vous passer la prochaine affaire? Bah non, du coup. Non. Allez, salut tout le monde.